Salut à tous et bienvenue dans Emily is the Way 2, la suite de Emily is the Way qu'on avait déjà fait sur la chaîne, les aventures de Pepito qui revient pour essayer de draguer la jeune et innocente Emily et la corrompre dans les affres de la séduction sur internet. Alors, screen name, Pepito, c'est mon pseudo, de mon vrai nom, Jean-Charles Ernestin. Attendez, non, c'est pas ça. Ça rentre pas, on va mettre Jean Ernestin, voilà, avec le tiré du bas. C'est parfait. Jean Ernestin, alias Pepito sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a donc là, les Sims 2 Pepito, Edit, View Profile. On a ça c'est l'œil Tuma. On a... j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah, Oblivion, on va mettre Oblivion. C'est un mystérieux symbole cabalistique, ça plaira aux filles. Alors, c'est your personnel profile. Donc là, on peut éditer les couleurs, ça va pas changer, on s'en fout. Mettre en orange, voilà. Le fond... Ouais, non, on va pas mettre en orange non plus, ça c'est la sale blague. Oh, c'est dégueulasse, non, on va le laisser vierge. Alors voyons. Punkieva Online, Matamat, Kelbella, Rigi Radio 49, c'est quoi tout ça? Bah, attends, JDG, Payman machin, ça c'est un mec que j'ai sur Steam. Bon, ok, bon écoutez. C'est peut-être des gens qui ont acheté le jeu aussi et qui y jouent sur Steam et du coup je les vois connectés. Ah, c'est rigolo ça. Bon, alors, yo Jean Ernestin, alors qui me parle? C'est une nana ou c'est un mec? Parce que ça peut changer toutes mes réponses, hein, fondamentalement. Yo, what's up? Bah écoute, je ne sais pas ce que tu dis. Je suis juste en train de parler à des pipes. Et toi, tu fais quoi? Bah moi je me branle. Moi je suis en train de me faire les ongles. Ok, donc c'est un... j'espère que c'est une nana. Je ne peux pas décider quelle couleur je mets. On va dire je crois en toi. Esmer's 35 offline. Non, c'est pas non, c'est Punk Forever. Je crois en toi. Oui, mais c'est tellement difficile de choisir. LOL 5, spend a lot of... Attends, oh merde. En parlant de couleurs, j'aime ton nouveau thème. Merci, le tien est pas mal. On va dire ça. Le tien est pas mal. Faut lui montrer qu'on respecte ses choix, mais que les nôtres sont mieux que les siens. Alpha mal. Voilà. Alors, et comment se passe ton été? C'est énorme, c'est plutôt bien ou c'est ennuyeux? Ben c'est ennuyeux. On est des adolescents, on aime rien. On est des adolescents, alors tout est chiant, tout est nul. Voilà. C'est trop nul. Oh, je suis désolé. T'as fait quoi? Je suis sorti avec des amis, mais c'est trop nul. On va pas aller... Alors non. Jeux vidéo, non. Parce que si on reste enfermé dans les jeux vidéo, elle va se dire « Ah, c'est pas un mec avec qui j'aimerais traîner. » Romance, il y a peut-être moyen que ça la rende jalouse et que du coup, elle s'intéresse plus à nous. Hein, parce que « Suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te suis. » Ça marche comme ça. Sortir avec des amis, on va peut-être répondre sortir avec des amis, je pense. Voilà. Sortir avec des amis, c'est pas mal parce que ça montre que, genre, on est hop 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 là, comme ça, là, hein. Qu'on sort, qu'on a une vie en dehors d'elle, voilà. Faut pas paraître un nerd, mais faut pas. La romance, je sais pas, j'hésite. J'hésite parce qu'après, ça veut dire s'enfermer dans le mensonge et s'inventer une vie. Ah, cool. Je ne peux pas croire que nous retournons à l'école dans un mois. L'école, c'est nul. Voilà, on va de ça, évidemment. L'école, c'est trop nul. L'école, c'est ok ou je veux y retourner. Non, on va mettre l'école, c'est trop nul. Voilà. C'est bien. Il faut lui montrer qu'on est pareil. Il faut lui montrer ce qui nous rapproche. C'est tellement vrai. Au moins, l'histoire, l'année dernière, c'était pas si mal. La classe était bien. Mr. B était le meilleur. Où j'ai tellement triché. J'ai tellement triché. Est-ce qu'on est un peu le ouf de la classe? Non. On va mettre qu'on est d'accord avec elle. Parce qu'on a tellement de choses en commun, c'est incroyable. Je sais, c'est marrant comme on n'a jamais parlé avant ça. Il faut absolument que tu viennes sortir avec moi et mes amis, hein, une fois. Oui, peut-être. On peut même sortir sans tes amis. On peut même pas sortir. On peut même rester à la maison. Allez. Le premier bouclier est brisé, on a réussi à infiltrer la défense, elle nous propose de sortir avec ses amis. Définitivement, ça serait énorme. Est-ce que tu as des plans, est-ce que tu as des choses prévues pour le reste de l'été? Plus de sorties, pas vraiment. Il se trouve que je suis 100% libre. J'ai été occupé tout l'été, mais là j'ai absolument rien à faire. Ah, moi et mes amis, nous allons au Warped Tour samedi. Aucune Warped Tour, le tour... De téléportation. Sommes-nous dans le futur? What Warped Tour? Ah, c'est un festival de musique punk rock.
Quel est ton fest... Mais le hasard est formidable. Il se trouve que c'est le punk rock aussi. C'est complètement fou. Tu ne trouves pas? Et il se trouve que je suis libre précisément le jour où vous allez à ce festival. Oh, tu es mon meilleur... meilleur ami. Oui, bien sûr, je suis un homme. Je peux parfaitement me lier d'amitié avec une femme sans aucune arrière-pensée. Tout va bien, évidemment. Je peux être ton ami. Quoi que ça veuille dire. Je ne peux pas attendre de voir les Sense Fade. Do you know them? Je sais pas ce que c'est. Maybe. Peut-être, oui. Peut-être si je les écoute. Ah, ça doit être un groupe de musique. Très bien. Essaye celui-là. Ah, est-ce qu'elle va m'envoyer un lien? Oh, d'accord. Ah, alors, ok, alors attendez, ça va peut-être ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, 2 secondes, je coupe. Voilà, j'étais obligé de réadapter la fenêtre. Allez, en fait, ça a ouvert une deuxième fenêtre avec un fou YouTube, c'est un peu cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Numa, je veux cliquer sur les trucs pour voir si ça marche. Mais c'est trop cool, quoi. C'est génial. Ils ont fait un faux site YouTube avec des chansons comme ça. Attends, merde, cette vidéo inclut du contenu du SMO qui est bloqué dans votre pays pour des droits d'auteur. Non ! Non ! Salaud ! Salaud ! Je sais pas si le truc est vraiment lié à un vrai YouTube ou si c'est un vrai faux site. Parce que le site, c'est le site emilyzoe.com. Mais, c'est fou, c'est génial comme idée, c'est vraiment très cool. Attends, on va écouter la musique. On va écouter la musique qu'elle nous disait quand même. Voilà. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien le punk rock en vrai. Vraiment pour de vrai, sans déconner. Sum 41, tout ça, moi j'étais très fan quand j'étais au lycée. The Kid Runt All Right. C'est peut-être un des rares styles de musique que je peux dire que j'aime ça. Bon bah c'est une très bonne idée, en tout cas, du coup. Alors on va lui répondre, on va lui dire « Ah bah c'est vraiment cool ». This is great. Oh, tu es le meilleur, c'est officiel. Si tu savais. C'est mon son favori de eux et j'ai les lyrics dans mon buddy info, ça doit être les infos personnelles. D'ailleurs, en parlant d'info, je ne pense pas avoir regardé les tiennes. Ah, parce que je les ai pas configurées, je pense. How do I set it? Comment est-ce que je les règle? J'aime beaucoup l'idée d'avoir un site, enfin un lien qui t'emmène vers un site, qui t'aide, enfin je trouve ça vraiment cool, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire dans un JDG un jour. Alors tu cliques donc sur the info under your icon, the edit profile, d'accord, alors ça doit être ça, edit icon, edit profile, ouais c'est là. Alors, personnel profil, chat millionnaire, Arctic Monkey ou Against Me, je sais pas ce que c'est. La blague est sur nous, pas sur eux. Les enfants prétendent d'être des astronautes, les officiers de police et des pompiers. V pour Vendetta. Je vois absolument pas ce que ça veut dire. Les gens ne devraient pas être effrayés de leur gouvernement, mais les gouvernements devraient être effrayés par le peuple. Mais ça, c'est un truc de V pour Vendetta, ça, justement. Écoute, bon, on s'en bat les couilles en même temps. Hein. Montre-moi tes nibards. Non. Ça a marqué merci. Bon, bah tant pis, écoutez, on fera avec. Hey, Against Me, Awesome Sauce. Ah, c'est dommage que les tickets ont tous été vendus pour le Warped Tour. Ah, je suis baisé. Ouais, en même temps, si elle avait été avec ses amis, j'aurais pas pu la draguer devant ses amis, je pense. Donc, écoutez, c'est pas grave. Tu auras juste à m'envoyer des textos pendant que tu seras là-bas. Oui, bien sûr. Matatate, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que ça n'a rien à voir avec le jeu. On s'en fout. Je pense que les mecs qui sont là, c'est vraiment des gens qui sont connectés. Parce que lui en bas, là, PageMan machin, c'est un de mes contacts sur Steam. Donc c'est vraiment des gens qui sont sur Steam. Mais je sais pas, mes amis étaient censés venir me chercher il y a genre une demi-heure. Bah appelle-les, que je te dise. Moi je m'en fous. Fais taille. On est un homme fort et indépendant. Voilà, tu devrais les appeler peut-être. Oui, je suppose que on était censé se rencontrer à la maison de mes amis et faire la fête. D'accord, alors très bien, on fait la fête sans les parents. Je vais y répondre. Attends, voilà. Ça n'est pas très chrétien. Je suis jaloux, bon, écoutez. Peut-être la prochaine fois tu pourrais venir, et pourquoi pas tout de suite.
Je devrais probablement aller préparer mes affaires. Ah, ça veut dire qu'elle va dormir là-bas. Ça veut dire qu'elle va dormir là-bas. Catin. Oui, il y a une bonne chance que je dorme chez Jackie cette nuit. J'espère que c'est une nana. Oh, je devrais amener un film. Help me, tu veux m'aider à choisir? Oui, non, mais là, c'est pas bon. Là, t'es en train de te transformer en serpillière, là. Non, dans la mesure où tu n'es pas convié à la fête, tu devrais juste dire « je m'en bats les couilles ». Voilà. Tu es en train de te transformer en serpillière amicale. Et c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour tes projets, Jean-Ernestin. S'il te plaît. Respecte-toi. On va dire, prends Final Destination. Ouais, c'est tellement nul que c'est bien. C'est même pas effrayant. J'espère qu'ils en feront un autre. c'est rigolo parce qu'ils en ont fait 5. Ou 6 même, je sais plus. Some of the scene are pretty brutal. Quels films sont tes favoris? Action, comédie ou horreur? Ah, attendez. Si on dit horreur, on se rapproche d'elle. Mais en même temps, j'ai envie de dire comédie. J'ai envie de dire comédie. Faut pas tricher. Faut pas tricher. On est là pour gagner. On est là pour gagner le match. Mais on n'est pas là pour tricher. Hein. On est là pour faire le jeu. Alors, faut jouer naturel. Faut jouer comme on l'a appris, toujours. Hein, avec les traditions de nos parents et de leurs parents avant eux. Alors, c'est comme ça qu'on réussira à gagner. Hein, y a pas de raison. Notre cause, elle est juste. Notre jeu il est pur. Donc faut pas tricher. Voilà. J'ai juste un message. Ils arrivent. Qui arrive? Dis-moi. Je veux tout savoir. Ah. MRS35. Elle me répond plus. Bon bah écoutez. Oh, salut Jean-Ernestin. Alors, toi tu m'appelles par mon prénom. Donc, j'en déduis qu'on se connaît. Audi, Oh, Emily, c'est donc toi. Tu vas voir ce que tu vas prendre, espèce de... Comment ça va? Eh ben moi, j'étais juste en train de parler à des gens. Et toi? Donc, ouais, ok, donc là, il y a deux conversations en simultané. Désolé, c'était Jackie, ils sont en retard parce que Steve a dû choper de l'alcool. Ouais, est-ce que je le connais? Ça fait vraiment... Avec qui tu sors? Est-ce que je le connais? Où est-ce que tu vas? Qui est ce Steve? Est-ce qu'il est célibataire? Moi, je parle à des gens aussi. Attendez. Est-ce que t'as fait quelque chose de fun aujourd'hui? Vidéo, jeu vidéo. Est-ce que j'ai rien branlé? On va dire que je suis sorti avec des amis. Voilà, parce que j'ai une vie fantastique. J'ai traîné avec mes super amis. Peut-être Steve Meyer, il est passé l'an dernier. Il a seulement 20 ans, il a déjà une fausse carte d'identité. Ok, donc je vois, donc elle aime vivre auprès des criminels. Attention! Mais bravo, ça c'est le genre de nana qui vont sortir avec des musiciens aux cheveux longs qui veulent faire un voyage au Népal. Et ensuite, 4 ans plus tard, elle se rend compte que son groupe de musique de merde n'a pas percé et elle cherche un plan B. Alors, je vous l'ai dit, mesdemoiselles, dans le premier épisode, prenez des gros. C'est pas cher, c'est un bon investissement. Hein, suffit de faire quelques travaux, et puis après, pour le futur, on est content. Hein, parce qu'au moins, on a fait un bon investissement, on a fait un bon placement. Voilà. On a pensé à long terme. Alors, attendez, j'ai pas suivi. Donc, elle va m'envoyer des textos bourrés. Est-ce que tu as Snapchat? Est-ce que tu peux envoyer des images depuis ton téléphone quand tu es bourré? J'ai passé la matinée à jouer à des jeux vidéo. Ah, elle jouait à des jeux vidéo aussi. Je savais pas qu'elle jouait à des jeux vidéo. À quoi tu joues? Attention à ce que tu souhaites. Oh, je sais très bien ce que je souhaite, t'inquiète pas. Ce week-end pourrait être fun, mais mes amis et moi me lâchent pour le prochain week-end. Oh, mais ça c'est trop triste. On va être obligés de faire des trucs que tous les deux. C'est dommage. C'est triste. Oh, pourquoi est-ce qu'il te lâche? Je suis si triste. Ouh, regardez. Ah, les Sims 2, j'adore. Hey, MeToo. Moi aussi, est-ce que toi aussi, tu fais des manoirs de lesbiennes avec des vieux monsieur et des adolescentes? Ils vont aussi... They're going on a road trip and my mom won't let me go. Ah, ok, ils vont faire un road trip et ma maman ne me laisse pas y aller. J'ai besoin de trucs à faire. Bon, écoute, ah, putain, je sens venir. Je sens venir le coup du... On a le double rendez-vous au même moment. Hang out with me, we could do something.
We come to something. Oui, mais est-ce que t'es un homme ou est-ce que t'es une femme? Bon, elle s'appelle Eva, donc on va supposer que c'est une femme. Eh bien, on pourrait faire quelque chose tous les deux, comme par exemple aller voir un film. Je suis juste nul pour tous les jeux RPG. Quels jeux sont tes favoris? Ah, MMO! D1 Summon level 49 sur Arcimonde. Le meilleur moyen pour qu'une nana t'oublie complètement. Oui, probablement sortir juste nous deux. Écoute, tu veux envie de dire que pourquoi pas, que c'est juste nous deux, qu'est-ce que tu veux, y'a pas de problème. Alors, comme World of Warcraft, est-ce que tu n'as pas à payer chaque mois pour ça? On pourrait y jouer ensemble. Je serai démoniste et tu seras ma succube. Et nous parcourrons les terres de Kalimdor pour ramasser des peaux de loup. Je ne sais pas, on pourrait vraiment... je ne sais pas, on n'est pas vraiment dans le même genre de film, n'est-ce pas? Mais on pourrait... We could get a group together and do something else, amis. Ouais, écoute, si tu veux, on pourrait avoir d'autres gens et faire quelque chose d'autre ensemble, y'a pas de problème. Après, c'est pas parce que j'aime pas les films d'horreur que... Ah, ça a l'air fun. So that was my morning, then I just hung up at Jeff's house. Donc ça, c'était mon matinée, puis après, j'ai traîné à la maison de Jeff. Est-ce que c'est ton connard de copain? Alors, j'ai fini mes affaires, je vais me barrer. Donc, des textos en état d'ébriété arrivent. Eh bien, écoute, je reçois les MMS également. Ouais. Alors, yeah, it's got super boring too, so I'll... Ah oui, c'est son copain. I'm glad you're left. Boring? Oh, tu veux dire que cet homme ne te satisfait pas? Ah, il était juste en train de faire ses propres trucs tout le temps. Tu veux dire que malgré le fait que tu sois engagé dans une relation amoureuse avec un autre homme, tu te sens seul? Jean-Michel décrypte. Je préfère être à la maison pour parler à des gens. Ouais, super, Internet. Voilà, c'est parce qu'il faut qu'on apparaisse comme fun. Vous connaissez le dicton, femme qui rit à moitié dans ton lit. C'est quand même fou que notre groupe d'amis soit resté ensemble pendant toute l'école, pendant tout le collège. Ah, je sais. Ouais, it is crazy, ouais. C'est complètement fou. On peut pas envoyer des dick pics. I wonder if senior... je ne sais pas si le lycée va changer quelque chose à ça. Je ne sais pas. Je suppose que nous verrons. Ouais, je ne sais pas. Les gens ont déjà commencé à agir différemment. Restons juste amis. comment te dire? Bon, allez, vas-y, on va jouer le jeu. Parce que le truc, c'est que si je dis bien sûr, c'est fini, je m'enferme dans la friendzone et c'est mort. Nous verrons. Là, il va me faire la gueule. Et si je dis... Bon, allez, je vais dire... Oui, bien sûr, on restera amis. Enfin, le concept d'amitié varie selon les pays, après. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut rappeler, hein, quand tu veux voler une pierre précieuse dans un musée, il faut d'abord rentrer dans le musée. Avant de penser à désactiver l'alarme. Donc, d'abord, on s'infiltre dans la défense, on passe les premières lignes, et après, quand on a passé, qu'on est dans les 22, là, on réfléchit à comment on marque le but. Mais ça sert à rien, hein, d'attaquer comme un idiot dès le début, pour ensuite être fatigué à la fin du match. Voilà, il faut savoir quand reculer et quand perdre une bataille pour gagner la guerre. Allez, je vais m'envoyer un lien YouTube. On va voir ça. Mais d'ailleurs, à quelle année ça remonte, ce machin? Parce que YouTube, ça existait... C'était quoi? Remarque, c'était 2007, peut-être. Les Sims 2, je sais pas. Là, elle m'envoie une musique, du coup. Ah, putain. Ouais, vous avez vu, c'est génial. C'est parfait. L'illusion est parfaite. J'ai même la connexion de 2005. On est vraiment plongé là-dedans. Hein. Pas de problème. On se fait chier. Ah, c'est une de chevaux. Ça se passe à Paris en plus. Bon, on se fait chier. Alors,
Oui, écoute, c'est le meilleur groupe de musique que j'ai jamais entendu depuis les Hellstank. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Voilà, alors cette référence ne parle pas à tout le monde. Et je suppose que oui, toutes leurs musiques ne sont pas comme ça. Je voudrais les voir en live tellement, mais aucune... No bands ever play, mais aucun groupe ne joue jamais par ici. Ouais, on va voir. Certains ne jouent pas. Mais on... We do get like Warped Tour. Et voilà, il y a le Warped Tour là qui va jouer. Ah oui, c'est le festival de punk music. Tu connais quelqu'un? Oui, des amis. Oui, des amis. Ouais, ouais, on va dire des amis. Pour l'instant, j'ai pas de raison de mentir. Hein. Y'a pas de raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je pense que ça, c'est vraiment... À mon avis, ça, c'est vraiment des gens de ma liste d'amis Steam, en fait. Ah oui, je... I don't think I know anyone what's going... Oh, ah ouais, je... Quel est ton favori type de musique? On va dire le punk rock, voilà. Le punk rock, je suppose. Après, nous, c'est pas parce qu'on aime pas les mêmes genres de choses qu'on peut pas finir ensemble, hein, t'sais. Ça serait triste, la vie, si t'aimais exactement la même chose que, les personnes, que la personne que tu aimes. Oh, cool, haricot. Je suppose que moi, ça serait l'alternative. Faudrait que tu m'envoies des sons de punk rock, quelquefois. Oui, bien sûr. Sur Things. Eh, t'as finalement mis tes infos, t'es Against Me, I Don't Think I Know Them. Je pense pas, Against Me, je ne pense pas que je connais, c'est peut-être un groupe de rock, j'en sais rien. Est-ce que c'est un groupe de rock? Samsung, I guess, tu les aimerais. Voilà. On va, je parie que tu les aimerais. Tu devrais écouter certains d'entre eux. Je le ferai, merci pour la recommandation. Vite, j'ai besoin de ton help avec une bonne excuse. Pourquoi? What for? Ah, Jeff, donc son copain, je suppose, veut nous emmener traîner avec ses amis ce week-end, mais j'ai vraiment pas envie. Est-ce que tu n'aimes pas ses amis? Peut-être préférerais-tu la compagnie d'hommes rencontrés sur Internet? Non, rien de comme ça, mais traîner avec eux, c'est juste les regarder se bourrer et devenir ivre. Et je n'aime pas vraiment boire. Putain, c'est pas ça dont je me souvenais. Alors, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air amusant. Bunch of cool kids. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas l'air très amusant. Ah ah, oui! Est-ce que tu bois, Jean-Ernestin? Est-ce que j'ai un nom à boire, connasse? Definitively not. Je suis chiant comme toi. Oh, cool, haricot. Nous sommes dans le même bateau. Pourquoi est-ce que tu ne bois pas? Don't leg, j'aime pas le goût. Ce n'est pas bon pour la santé. Je n'aime pas être bourré. Je n'aime pas le goût. Ce qui est exactement la raison pour laquelle moi-même... Mes chers spectateurs, je ne bois pas en vrai, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, sachez-le, évidemment, à part un fond de bière ou un demi-verre de champagne dans ma vie, mais je ne bois jamais d'alcool. Ah ah, donc j'ai juste paniqué, j'ai dit que j'avais déjà prévu des trucs, mais qu'est-ce que tu as prévu? Ou alors le bon vieux agenda qui marche pas? Ou est-ce que... Mais tu n'as pas de plan, mais tu n'as rien prévu? Attends, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire... Bah écoute, voilà. Qu'est-ce que tu as prévu? Sachant très bien qu'elle a rien prévu. J'aime bien Émilie. J'aime bien Emily parce qu'elle a l'air un peu chiante en vrai, fan de jeux vidéo, elle aime pas sortir, elle aime pas être bourrée. J'aime bien ce genre de femme. On pourrait faire de longues parties de Civilization 2 tous ensemble. Alors, est-ce que tu as pas de plan? Bah écoute, je trouve que moi aussi, hein, par le plus grand des hasards, j'ai rien prévu et que tu pourrais éventuellement venir à la maison et on pourrait jouer à des jeux. Par exemple, est-ce que tu connais Sexy Beach 3? Je l'ai, c'est bien, ça vient du Japon. Peut-être est-ce qu'on devrait inviter d'autres gens? Pourquoi? Tu as peur? Je ne vais rien te faire, Emily. Souviens-toi, nous sommes... juste des amis, après tout. Peu importe, je suppose que nous aimons des jeux différents, de toute façon. Tu n'as pas idée à quel point. Peut-être que nous devrions inviter quelqu'un d'autre et faire quelque chose d'autre. Ah là là, elle a peur de moi. Elle a peur de moi, mais bon, allez, vas-y. C'est pas grave, Emily. J'ai encore plein de temps devant moi pour atteindre mon objectif. Cool, on en parlera demain. Oui, tu ferais mieux de faire ça. Bon, je suppose qu'elle va déconnecter. Yeah, you better. Oh, ici, il est déjà tard.
Bon, reste debout, je suppose que c'est... Oui, elle va te coucher, je m'en fous, c'est bon. Souvenez-vous, never forget. Dans les épisodes précédents d'Emily is Away, nous avons été friendzonés. Nous avons été humiliés. Humiliés par cette Emily qui a préféré, je sais plus quel connard, j'ai oublié son nom, plutôt que nous qui avions absolument toutes les qualités nécessaires pour la rendre heureuse. Eh bien, dans cette série, cette nouvelle série sur le bazar du grenier, suivez-moi et croyez-y, car ensemble, nous allons enfin réussir à donner à Emily ce qu'elle mérite. Allez, du coup, on s'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une autre vidéo sur le bazar du grenier une autre fois. Salut à tous !